Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Tesson. Nous sommes partis pour la quête Ramener l'Ordre. Donc je vais vite vous mettre le journal des de quête, hein, tout simplement. Voilà, donc ça c'est le préquel à la quête. Donc il faut qu'on convainque les Argoniens, les Nordiques et les Elfes Noirs. On est parti, on va déjà aller faire ça. Ouais, c'est cela. Hein. Bonjour, alors toi. Les oratoires sont en dehors de la ville. Au nord, au sud-est et au sud-ouest. Brûlez les fleurs à chaque sanctuaire. Il s'agit d'une variété rare de canettes dorées que l'on nomme les larmes de Roland. D'accord. Les oratoires sont en dehors de... Brûlez les fleurs à chaque sanctuaire. D'accord. Ça m'aide pas spécialement, ça. Ah, c'est qu'il faut que je fasse des trucs avant d'aller les... C'est possible. C'est possible, attendez, bougez pas. Que je comprenne le principe. Louez les trois et passez-moi la bouteille de Sujama, voulez-vous ? Je vais relire la quête parce que là, je comprends pas trop ce qui se passe. D'accord. Elle est où la personne que je dois... Ah, elle est là. Je pense que je vais d'abord aller lui parler à elle. C'est ça, je vais d'abord aller lui parler à elle. En même temps, indice parler à Dratus Otral, pardon. Oui, j'aurais peut-être dû voir ça avant, je sais. Bien le bonjour. Oh, je suis un fou, je passe au-dessus. Ah, non, je pensais. Je pensais. Dommage. Qu'est-ce qui vous amène dans cet endroit perdu? Ouais. Qu'ils y viennent. On a... Nous combattons. Ouais, mais c'est pas exactement ça que je voulais, mais bon, voilà. Hop, au moins, c'est du... Ça part si vous voulez qu'on aide à repousser les dagues, vous feriez mieux de prouver qu'un autre membre du peuple. Nous combattons. Attends, t'es sérieux? Ça veut dire que je peux rien faire tant que... Putain, je comprends rien du... Ah, c'est qu'il faut que je fasse à chaque fois une quête pour chaque truc, c'est ça? C'est possible. Bon, on va commencer par... La nuit de l'âme, d'accord. Bon, ben, je pense que ça doit être ça. Je pense qu'à chaque fois, ils vont nous demander une quête et du coup, faudra le faire pour les convaincre. Notre travail est vital. Bel état d'esprit. Voilà. Moi, je vois que ça, hein. Ça a commencé à piquer. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est complètement bugué là. Ah, j'aime quand les quêtes elles bug comme ça. Mais quel bonheur! Bonjour. Voilà. Oh, je vais finir à poil, ça je le sens. Voilà, donc j'ai bien picolé. Rouleur de tronc, tiens, parle. J'ai envie de te battre. J'ai goûté la... Ça va être amusant. Et donc... Oh, il va se calmer, lui.
Ah, ah j'abandonne. T'as trop bu, t'es ivre, mon pote. Alors. Je suis là. Battez-vous vraiment pour changer. Putain, pas mal. Ouais, c'est qu'en fait, si je pouvais pas les boire les trois avant, il fallait que j'en bois une après l'autre. Et à chaque fois, défier. Je comprends pas. Où est-ce qu'ils sont ? Un défi, ce sera pas long. Tu souffres. Hey, tout doux. Ouais. Ils vont plutôt un coup. Ouais, bon, allez. C'est bon, t'es satisfait? Bon, j'ai dit que je le ferais. Et je reviens pas sur... Ravi l'Urano. L'elfe noir, je sais pas, et j'ai pas demandé son histoire. Bravo. C'est... Ok, du coup, convainquez les Argoniens. Les elfes noirs. Ok, d'accord. Alors par contre, du coup, il y a cette quête-là qui, je pense, fait pour les Argoniens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite aller là-bas. Toujours un peu bourré. Ah voilà, c'est mieux. Bon, c'est fait. Alors, il est où l'autre ? Là-bas, ok. Ils sont juste chiants les halites en fait, hein. Ah oh, putain, ça c'est chiant aussi. Ça va pas faire des chevaux qui nagent, non, comme dans Skyrim. Trop difficile. Allez mon pote, vas-y fonce. Fonce comme le vent. Vas-y, vas-y, tu peux le faire. Ah ouais, c'est vrai que celui-là j'avais déjà brûlé le machin en pensant que c'était une autre quête. Voilà. Et le troisième se trouve en ville. Ah, évidemment, je pourrais pas traverser comme ça. Évidemment. Hein.
Il se trouve pas en ville, hein. Il se trouve tout au nord là. C'est là où j'avais été dans la vidéo d'exploration. C'est moi ou... J'ai peut-être bugué, hein, mais... Ah non, putain, j'ai bugué, fait chier. Je pensais que c'était un livre. Bien le bonjour. Si je fais le tour, il y a moins que j'arrive jusqu'où. Oui, je pense bien. Regardez-moi cette classe, ce talent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On l'a ou l'a pas, hein, la classe. Non, c'est pas vrai. Je suis nul. Non, ça va. En fait, je suis ni très bon, ni très nul. Enfin, je trouve, hein, personnellement. Tant que j'arrive à faire le jeu, moi, c'est vraiment ce qui compte. Et puis tant que je m'amuse... Après, que je fasse des trucs exceptionnels ou pas... Ouais, je m'en fous un peu, ouais, clairement. Non, moi j'aime bien, je m'amuse, je fais mon petit truc tranquille, pépère, et personne qui me fait chier, je fais chier personne. Si vous n'avez pas les vidéos, vous n'avez qu'à pas les regarder, hein. Voilà, hein. C'est pas plus compliqué que ça, en fait, hein, faire de la vidéo. Après, si tout le reste, sur les commentaires à la con, je m'en passerai bien, mais bon, maintenant je prends plus la... Ouais, si je réponds, ça dépend, en fait. Ça dépend le commentaire. Si c'est un commentaire à la con, je le supprime. Si c'est un commentaire à la con et en plus méchant, je me fais un plaisir de bien lui défoncer sa tête. Et je le supprime. Coucou, ça va? Alors? Parlez! Toutes les prières sont entendues. Chaque petit rouage participe à un grand mécanisme. Mage, mystique, maître de la cité mécanique, architecte du temps... Ouais, d'accord. Bien. Allez. C'est bon? Il faut que j'aille... Où, maintenant? Demander la munition du Virek. Ouais, c'est bon du coup. Putain, t'es pas en train de me dire que... Putain, t'es sérieux? C'est-à-dire que je dois retourner... Ah, le boulet! Bon, attendez, bougez pas. Voilà. Alors, Gogolman a encore frappé, hein, bien entendu. Voilà, j'ai tout lancé, je suis parti comme un abruti, voilà. Dame Almalaxia, le tribunal. Dites-lui que... Ah... Je ne suis qu'une... Voilà, allez, l'autre il est ouf. Putain, bah évidemment. Oh là là, ouais. J'aime faire tout en double, ça m'excite. Bon, allez, tout de suite. Voilà, hein, désolé, hein. Je suis ici à la demande de mon... Les actes sont plus parlants que les mots. Un homme à la langue de vipère. Vivek est un guerrier poète. Les sermons de Vivek sont... Ok, donc maintenant, voilà, c'était bien cela. Ok, bon, on va se retrouver là-bas. Alors, nous y voilà, enfin. Bon. Comment les Nordiques arrivent-ils à boire autant sans s'effondrer? Ah, ça. Une longue expérience. Je sens les bénédictions qui vous touchent. C'est un pouvoir. Je vois. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait des menaces plus grandes que l'invasion de l'Alliance. J'ai honte. Les trois ont fait preuve de plus de foi envers moi que je n'en ai eu envers eux. Ha! Oui, j'aurais dû m'en douter. Vivek est le... Seulement indirectement. Nous voyons de moins en moins les trois à chaque année qui passe. Il se nomme Ravi Lurano, ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas venu prier. Il était plongé dans le désespoir, il me semble même qu'il avait arrêté de se laver. Comment? Ai-je donc été si bête? J'ai remis ma foi en question pour la plus légère des raisons et amené autrui à remettre la sienne en cause. J'ai beaucoup à faire pour racheter mon erreur. Ok, voilà. Donc convainquer les elfes noirs, c'est parfait. Bon, ben les amis, on va se quitter là. Il ne me restera plus qu'à convaincre les Argoniens. Et puis ce sera bon, je pense qu'on aura ramené la paix dans le machin. Hein. Je pense que ce sera déjà une bonne chose de faite. Donc je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, comme d'habitude, désolé de pas avoir, d'avoir loupé un peu le truc, et puis on se quitte là comme ça, comme d'habitude, c'est devenu une habitude, voilà, je fais jouer mes deux arguments pour le bien-être de la nation de Cœur Ébène. Allez, à plus tout le monde, salut.